2 Ouais, 3-4 heures, mais ça va. Tu vas bien. Le premier jour, ça va. Ouais. Ça, c'est le matériel. Hein. Je me souviens, le premier jour de tournage, quand je suis arrivé, en fait, on tournait dans un tout petit appart. Il y avait les 25 techniciens, il y avait 15 comédiens, il y avait une quinzaine de figurants. On était déjà presque une cinquantaine dans ce tout petit appart minuscule où on se serrait les uns les autres. Et je me souviens qu'on a fait attendre les figurants dans un EHPAD à côté. Et à un moment, au bout d'une heure et demie, je suis allé les voir pour essayer de les rassurer, leur dire « Ouh, youpi, youp, la boum !» Et en fait, je les vois, ils étaient là, ils se connaissaient pas, ils se regardaient dans le blanc des yeux. Et là, je me suis dit « Mince, comment on va faire ?» Dans une heure, ils doivent être tous pompés up et faire la teuf. Et ce qui est super, c'est qu'en fait, tous les acteurs sont venus les voir. Ils les ont pas considérés juste comme des figurants et après la prise, on leur parle plus, quoi. C'était vraiment tout à coup une bande de potes qui s'est créée en 10 minutes, quoi. Pas trop en retard. En retard ? Jamais. Si on trouve notre rythme là, on est un petit peu en retard. Hein. Beaucoup même. En retard ? Jamais. Le casting c'était super parce que on a organisé 3 journées de casting parce qu'on avait quand même, je crois, 16 petits rôles quand même dans le film. Hein. Et il manquait effectivement l'acteur principal puisque c'est vrai que pour ce rôle-là, j'avais beaucoup d'hésitations avec un ou deux comédiens que j'avais rencontrés. On avait vu beaucoup de profils pour le coup, beaucoup de candidats. Et j'étais stressé, j'étais pas bien. Et Émilie me disait « Écoute, si vraiment t'es pas sûr du choix que t'es en train de faire, organise un nouveau casting à l'arrache. » Et je lui ai dit « Ouais, mais attends, on était à 10-12 jours du tournage, quoi. » Donc on a convoqué 5 jeunes à Paris. Tu vois, il y en a 4 qui sont venus. Et en fait, sur les 4, on a eu Paul. Et du coup, voilà, ça a été un choix très difficile parce que je crois que j'avais beaucoup de mal avec ce personnage parce que je me projetais beaucoup dessus. Et du coup, voilà, à 8h30, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé Paul, je lui ai dit « Bon, ben voilà, c'est toi qui as le rôle. » Et je me souviens d'ailleurs, c'était drôle parce que quand je l'ai appelé, je pensais qu'il allait sauter de joie et il m'a dit un truc genre « Ah ouais, ok, c'est cool. » Et je fais « Ah ok, donc le mec, il a le premier rôle, il s'en bat les steaks. » Et en fait, il m'a appris plus tard que c'est parce que je le réveillais en fait. Il était en train de dormir. Donc là, en fait, on tourne que des scènes en extérieur. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'on va spoiler les miches toute la journée. Regarde comment ça doit être, genre, on doit être vraiment avec le truc ouvert, en fait. Ça va vraiment en faire froid, je pense. Je suis escorté, mec, il y a un cortège. Je finis, je la ramènerai après, j'ai une bouillotte, je la ramènerai en plus. D'accord, comme ça, ils auront un peu de chaud. Il y en a aussi à la régie, des bouillottes, mais ouais, clairement. Merci. Pneumonie. Romain, c'est Gauthier. Ils prennent avec leur truc, là, leur kiwoki. Mais souvent, ils se parlent entre eux. Ça va, Gauthier? Bien, et Henri et Mathéo, toi tu passes ici, ils vont t'ignorer. Toi Henri qui va avoir un regard genre, tu le discutes au début et tu le vois passer, on va te désigner un top, tu le vois passer et genre tu retournes le regard et tu parles avec tes potes. Il garde le gros manteau Henri Après je sais qu'il est pas frileux. Henri, tu m'avais dit que t'étais pas frileux. Si dernièrement je demande dans le manteau, ça te plaît ou pas? Ouais. Allez, on se met en place pour une répétition s'il vous plaît. Romain, les sonneries, c'est bon ou pas? T'as écrit ça pour l'été, alors? À la base, oui, mais là, comme tu peux le voir, quand on parle, ça fait... Je sais pas, ça se voit ou pas? Ça fait vachement... C'est les doudounes, là, tu vois. Ça fait vachement mois de mai, là. Balle okay, de fin d'année. On est en place pour la répétition. Non, mais ça va aller, ils sont pas frileux, nos comédiens. Le froid, c'est psychologique. Morgane? On peut avoir une petite assurance, ce dernier chat? Merci. Olivier, parti. Et ben c'est parti et action. Là, cet après-midi, on va faire ça et ça. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on tourne dehors, il faut qu'on ait la lumière du jour, il faut qu'on termine au moins avant 18h. Écoutez-le, c'est une bonne personne. Mais c'est vrai que ce film, c'était un film avec beaucoup de défis pour moi, parce que c'était la première fois que je faisais un film aussi long, avec autant de moyens, avec une prod qui m'accompagne dès le début, autant de séquences, avec autant de décors, avec autant de comédiens, avec autant de figurants. Enfin, c'était un film avec plein de défis. Et notamment, c'est la première fois que je faisais autant de plans séquences. C'est quelque chose qui m'effrayait un peu d'habitude, j'aime bien beaucoup découper. Là, on a des longs plans où il n'y a aucune coupe pendant des fois 3-4 minutes. Et par exemple, c'était aussi la première fois que je faisais un film avec une cascade. Et ça, c'était cool. Et du coup, le gars qui se prend un coup de poing, donc c'est mon petit frère, Robin. Je suis dans une école pour faire des cascades. Du coup, là, j'ai bientôt fini ma formation, apparemment en fin de l'année. T'arrives peut-être, toi, Jacques, à l'entraîner, genre comme ça. Et...
C'est beau là depuis tout à l'heure. On a toujours sous-estimé ma droite. Mais là c'est le jour J. Lise, on va descendre là, on va faire un truc partout. Des beaux bras. Allez, moteur, s'il vous plaît. Hein? Faites genre, il fait pas froid. Action! Allez, vas-y, Ok, coupé. Ah. Tu réalises maintenant? Ouais, ça m'arrive, ouais. Je suis entre autres acteur polyvalent, paralysateur. Olivier, j'arrive. Voilà, j'arrive dans le milieu. Le figure. Merci. Dégagez le figurant devant la caméra là. Oh, oh putain. Mais regarde-moi ça, on regarde l'écran. Ah, ça bouge. Pas dans la bouche la caméra, on avait dit, s'il vous plaît. C'est loué, pas acheté, d'accord? Ouais, c'était cool, franchement. J'ai un bon partenaire de jeu, et franchement, il est au top. Pas trop mal. Merci. Nickel. Cool. J'ai un confort de fou. Ah, ça, c'est un confort de fou, ça? C'est le luxe. C'est le grand luxe, d'accord. Putain, qu'est-ce que ça doit être d'habitude, alors? Pardon, c'était une fausse alerte, on manque un son. Tout ça va passer aujourd'hui. Oh oui, comme d'hab. Mais je suis vraiment devenue mono de colo, je pense. Valérie, la maman des figurants. Oh, voilà. Maman à tous, vraiment, c'est pas ça et tout ça. 1, 2, 3, PD. Ouais, c'est un titre assez fort. Le titre, il est justifié parce que on vient à un moment déconstruire ce mot et démonter ce mot, et c'était tout le but du film, c'était d'interpeller sur ce mot, parce qu'on me dit il est putaclic, mais en fait il l'est pas, puisque ce mot-là est déjà banalisé, c'est-à-dire qu'on l'entend déjà dans les conversations de jeunes, dans les récré, à tel point qu'il est tellement banalisé que même les profs ne prennent même plus la peine des fois de le relever en cours, enfin certains profs, hein, évidemment pas tous. Donc ça déjà, ça m'a nourri, et puis après il y a eu mon histoire personnelle, j'ai eu un moment vraiment dans ma vie, eu envie de parler de ce sujet-là. Et à un moment, j'ai regroupé toutes ces séquences, j'ai créé une histoire, j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis enfermé pendant 24 heures dans une pièce et j'ai écrit en ingé, en fait, tout le scénario. Donc c'était en février 2018. Comme je dis toujours, c'est un scénario que j'ai vomi en une journée. Il fallait que je l'écrive, que je m'en débarrasse, que tout soit porté sur le papier. Du coup, aujourd'hui, c'est scène de classe. Alors, on va tourner en salle d'histoire et salle de maths. Scénario. Ouais, je suis peut-être en sac à main. Ouais, t'as l'air détruit, t'es trop un déchet. Tout ça, tu l'as improvisé à la répète, ça. Ouais. T'es trop un déchet. T'as l'air détruit, ça se dit ça, t'as l'air détruit. Ouais. Dis-moi, Arthur, pourquoi des drapeaux noirs ici? C'est pour couper un peu la lumière, en fait. Ça attrape la lumière pour que ça en enlève du côté où on veut. Ça donne un peu de contraste dans l'image. C'est moins plat. Succès de nos affiches. Tous les petits mémos ont été déchirés. On va voir cette fameuse salle de cours. Waouh. Ah, t'entends de Noël? Ah, j'ai déjà dit, mais je redis, waouh. Ah, j'avais pas vu le tableau posé, moi. Il était par terre. Ça fait tout. Ben, c'est la première fois que je travaillais avec un chef décorateur, donc là c'est Denoël Rouault, et puis son assistante décoratrice, donc Lisa Heurtier. Ils ont, à deux, tout a été refait dans la salle, c'est-à-dire qu'ils ont pris une salle qui ne ressemblait pas à ça, ils ont imposé un code couleur en fonction des intentions de la scène. C'est quoi de découvrir sa salle de classe? Je ne pensais pas un jour être prof, et en même temps j'ai un métier où je peux être prof sans l'être vraiment. Dans une version courte, en étant payé beaucoup plus cher qu'en France. Il y a une scène capitale, c'est la scène avec Marc Rizzo, qui est le professeur d'histoire, qui est un comédien absolument génial. C'est un peu notre tête d'affiche, entre guillemets, sur ce film, parce que Marc, il a joué dans plein de films. Ah, c'est bien, ça. Ah ouais, c'est chicha. Genre, oh, chicha. Oh, le chicha. Genre, on m'a topé. Oh, mais ça veut dire quoi, déjà? Genre, ouais, voilà, c'est un genre, wow, je suis quelque chose. On refait un peu de vocabulaire, ça fait longtemps que j'ai quitté le lycée. Le problème de cette séquence, c'est qu'elle est longue et il y a une espèce de morale à faire passer à travers le regard d'un prof, qui est l'un des seuls adultes qu'on voit dans le film. Pour vraiment rester avec la vision des ados qu'ils peuvent avoir à cet âge-là, le prof vient justement alerter un peu sur l'utilisation du mot PD, sur la façon de regarder les homos. Et en même temps, je voulais pas non plus que ce soit une morale qu'on nous impose comme ça, en mode il faut penser comme ça. Je voulais que ce soit dit à travers le regard de quelqu'un d'un peu qui prendrait ça avec un peu de distance, avec un peu d'humanité. Ouais, je traîne le temps en fait de donner le message d'Olivier. J'ai l'impression que c'est par moi qui passe le truc, donc c'est un peu flatteur. Et je suis honoré d'avoir lâché ce message. Combien de journées de travail pour une après-midi de tournage? Trois demi-journées.
trois petites demi-journées. Mercredi soir, on était déjà au quatrième jour de tournage, et Jacques savait qu'il allait tourner le lendemain la scène cruciale du film, celle qui pour lui était la plus importante et la plus chargée en termes d'émotion, de jeu. C'est un plan séquence, donc ça veut dire qu'il n'y a aucune coupe. On parle d'homosexualité refoulée, on parle d'homophobie. On sent en fait la naissance des sentiments d'Esteban à ce moment-là dans cette séquence. Pour lui, c'est invraisemblable de pouvoir ressentir ça, donc il rejette toute cette haine sur le personnage de Thomas, et tout ça, c'était extrêmement complexe à jouer. Je les avais jamais fait s'embrasser avant, c'est-à-dire que ce soit pendant les répètes, le casting, etc., même cette répétition-là, la veille du tournage, ils ne s'étaient pas embrassés des 4 jours de tournage. Et la veille du tournage, le jour 4, Jacques est venu me voir et me dit « Voilà, est-ce qu'on peut répéter cette scène à nouveau ?» On fait cette répète dans leur chambre, et il me dit la veille « Bah voilà, écoute, demain, on a décidé avec Paul qu'on se parlerait pas. » Yes, et on est dans le vif. Bah ça y est, dans le vif. On y est. Le plan de la séquence. Le dernier plan. Vraiment dire le plan du film presque. Ouais, bah c'est vrai, tu vois, on est là. On est d'accord. Ah là là. C'est le plan. Voilà. Ah le stress. Ah le stress, tu l'as chopé. C'est le plan du film maintenant. Vous êtes prêts les gars? Et action Jacques. Et puis on commence à faire la fameuse première prise de l'agression. Et là, Jacques, effectivement, bah forcément, comme c'était assez compliqué, il y a des moments où il a bafouillé, il y a des moments où il s'est trompé. Donc on sentait déjà que lui, au niveau énervement, ça commençait à monter. Tu t'es dit quoi? Tu t'es dit que ça marcherait sur moi? Hein? C'est ça que tu t'es dit? Tu t'es dit, lui, il a une bonne petite gueule, ouais, ça va le faire. Hein? T'as le cru que j'allais... Désolé. Putain! Jacques, c'est génial. Ouais, le début était bien, putain. Et bon, on fait 3 prises, 4 prises, 5 prises, et au bout de la 6e prise, il se passe ce truc un peu fou. D'habitude, je laissais, une fois que Jacques agressait et partait, je laissais tourner 10 secondes la caméra. Et là, je vois que pendant cette prise, Paul avait les larmes aux yeux pendant tout le long de la prise, en fait. Et c'est cette prise qu'on a gardée pour le montage. Et donc je sens qu'elle est chargée en émotion, et là j'entends ma script Mathilde qui pleurait à côté, donc je dis « oulala, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc moi, à la fin de la prise, je décide finalement de laisser tourner la caméra 30 secondes, 45 secondes, je la laisse tourner. Et là je vois Paul qui commence à partir vraiment en larmes, qui était vraiment pas bien du tout, et je dis « couper », et je sors de ma petite tanière pour aller les voir avec mes petites notes et leur dire « bon les gars, c'est cool, on va en refaire une et tout ». Et en fait j'arrive, et là je vois Paul qui était en larmes complètes. Et là, je me suis dit, waouh, enfin, j'ai l'impression qu'on vient de tourner un truc fort. Ça, en fait, c'est dingue, c'est dingue. C'est la première fois que ça me fait ça. Parce que t'as de putain de trucs, de souvenirs qui remontent et tout, tu vois. Et en plus, moi, c'est lui qui m'a fait craquer, l'enfoiré. C'est lui qui m'a fait... Le fait qu'il pleure et tout, du coup, moi, ça m'a remonté des trucs, tu vois. Pourquoi j'arrive plus à redescendre, là? C'est horrible. Là, en fait, c'est la fin. Paul, il a tout donné, quoi. Je voulais plus couper, quoi. Je savais plus, tu vois. Non, c'est énorme, quoi. Ça fait quoi de pousser des acteurs à leur retranchement comme ça? Je sais pas quoi te dire, je sais pas. Non, là c'était. Franchement, c'est la première fois, je crois, qu'on vit ça sur. Enfin, que moi je vis ça sur un tournage, que plein de gens vivent ça sur un tournage, je crois, et même Paul. Enfin, faudra lui demander, mais je pense que c'est la première fois aussi, et c'était assez fort. Dites-moi alors, ce matin. Putain de grande journée. Il y a tout le temps les mêmes questions, t'as remarqué, moi. Alors, bon, alors, ce matin. Alors... Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis ce matin, on s'est pas parlé. Ouais. On s'est esquivé et après on est arrivé direct dans l'émotion où il me défonce comme ça. On sentait, ah là là. Je crois qu'on était aux larmes tous les deux. Ouais. Non mais c'est, ouais. C'est même une accumulation derrière... de choses, c'est de se mettre dans un état second où tu t'énerves pour au final subir des choses violentes. Je me suis dit pleurer ce serait cool et c'est ce que j'ai réussi à faire, sauf qu'après au final toute l'émotion et tout ce que tu mets en tête, après tout a lâché quoi. Non, ah, mais il y a le côté aussi où t'es content, tu vois, d'avoir fini et tu te dis putain, on a réussi à le faire. Et il y a un côté où tu te dis ça ouais. Approche aussi de la fin et là t'es pas bien. Et ben demain on part sur Paris. Ah non, on a encore non, la scène du bal. Oui. La scène du bal. Viens voir. Bim. Alors, voilà.
Voici un très beau. Voilà. Donc là, c'est le décor de demain avec DJ ici. Tu vois, on a installé toute la scène ici. La boule à facettes, tu vois l'entrée. Purement. Salut, c'est l'entrée. Ce sera énorme, ce sera juste énorme. Attention, moteur. Moteur, ça tourne. Vendredi, c'était la plus grosse journée. En fait, on terminait le tournage par la journée la plus difficile. On avait fait le pari de faire les 10 minutes de fin, c'est-à-dire toute la séquence de balles, en une seule journée. Grosse ambiance. Viens, je t'emmène. Regarde. On sent bien, ça y est, prêt à faire la fête. Ok, on va aller voir là-bas. Viens, je t'emmène. Ça va, c'est chaud ? Ouais. Ok. Putain, les mecs, ils sont déter aujourd'hui, ça se voit, hein, putain. Alors là, on a les meilleurs. Regarde, là, on a les meilleurs. T'as piqué le costard à mon père, toi, enfoiré. Ah ouais ? Bah, ça fait bizarre de voir 100 personnes là, tous bien habillés dans ce putain de décor. J'avoue que c'est impressionnant. J'ai hâte de voir ça. En plus, au ralenti, ça va être. Pour moi, c'était que ce film touche le maximum de gens possible. Je sais que les jeunes aujourd'hui regardent beaucoup YouTube, ils regardent plus la télé, ils vont peut-être pas forcément au cinéma voir ce genre de film. Du coup, l'idée, c'est à la fin de le mettre sur YouTube pour toucher le plus grand nombre de personnes. Et puis juste, je me dis, même si c'est qu'un film, eh ben, c'est un film de plus. Et c'est un film de plus qui vient banaliser l'homosexualité et peut-être que les gens vont plus la regarder avec des yeux étranges, craintifs. Fin de tournage. Ouais. Toute l'équipe incroyable qu'on a eu à la technique, et là je pense qu'on est tous unanimes là-dessus. Merci aux comédiens. J'ai une chance de dingue, et merci Émilie vraiment de m'avoir assisté sur le casting. On a une chance de dingue de vous rencontrer tous, vous étiez ouf. Vraiment, moi j'ai jamais vécu un projet comme ça, mais vraiment, et pourtant ça fait des années maintenant que je fais ça, et c'est la première fois que ça se passe aussi bien avec des comédiens et que vous avez tout donné, c'était juste ouf.